Bonjour Dominique. Bonjour. Donc aujourd'hui, on est dans votre atelier qui est situé à Houille. Le nom de votre atelier, c'est Zébuline. C'est ça, oui. Alors dites-moi un petit peu plus. Qu'est-ce que vous faites exactement? Donc je crée des accessoires de mode. Donc il y a une partie bijouterie et bijouterie fantasy et une partie textile avec des chapeaux, des écharpes, des mitaines en dentelle de Calais. Voilà. Alors, j'ai commencé par des coiffes avec un feuilleté de papier. Donc c'est une technique que je me suis appropriée qui consiste à mettre des couches de papier et de colle. Donc des coiffes pièces uniques essentiellement. Ça donne un matériau qui est assez souple, qu'on peut bien modeler. Et ensuite, j'ai commencé à faire des bijoux dans la même technique avec des gravures anciennes que j'ai incorporées comme des petits tableaux avec une histoire derrière. Voilà. Et aussi, je chine beaucoup. Donc, ça aussi, c'est très. Il y a beaucoup d'aspiration parce que je chine aussi des pièces, des bijoux anciens ou des boucles de ceinture que j'incorpore dans mes créations. Pas mal d'inspiration art nouveau et art déco, des animaux, des fleurs, enfin ça peut partir sur de la mythologie, l'Afrique. Moi j'aime bien travailler l'histoire au niveau de mes bijoux, donc voilà, des fois ils ont déjà une histoire et puis moi je propose autre chose et la cliente après s'approprie sa propre histoire. Donc c'est ce qui est intéressant. Je fais souvent des portes ouvertes au mois de décembre où j'invite aussi d'autres créateurs et on peut me contacter tout le temps. En fait. Merci beaucoup Dominique. Je vous en prie Nelly.